J'ai la chance d'avoir mes parents qui sont agriculteurs, donc depuis tout petit je suis sur la ferme. Cela fait maintenant 10 ans que je suis installé sur la commune de Salon de Provence en agriculture biologique. Sur l'élevage, dès l'annonce du confinement, on a mis en place des gestes barrières et la désinfection des mains un peu plus souvent. Et on n'a pas trouvé nécessaire de rajouter des contraintes à ce qu'on faisait déjà. Et donc on a continué à travailler normalement au sein de notre élevage. Les 15 premiers jours du confinement, ce flottement dans la commercialisation a été pour nous inquiétant et nous a permis de nous prendre conscience qu'on était assez fragile sur nos modes de commercialisation. Et on a pris conscience qu'il fallait être capable de s'adapter à la demande du consommateur et d'avoir des conditions d'élevage et des modes d'élevage qui permettent aussi bien de raccourcir ou d'allonger la sortie de nos animaux de nos fermes pour répondre au plus près du besoin du consommateur. Et je pense que c'est là que notre exploitation en sortira grandie.